Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Assassin's Creed Chronicle China. La dernière fois on s'est arrêté après avoir fini le premier chapitre, on va tout de suite continuer. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. J'espère que le premier épisode vous aura plu. Alors, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, donc on va s'y remettre un peu. Ah oui, ça c'est le saut de l'aigle. Time to become more familiar with my surroundings. D'accord. Ok, je joue ma vente de toute façon, y a rien. Ok. Ça, ok. D'accord. Je regarde s'il y a des objets ici, je regarde si en arrière il y en avait, non. Tout en bas il n'y a pas l'air d'en avoir non plus. Voilà, donc il faut éviter de tuer les personnes si on veut l'ombre or. Qui augmente ce qu'on gagne en bonus. J'essaie de me rappeler comment on fait. Ah d'accord, c'est comme ça. Alors. Allez, on monte. Donc on va essayer de faire le plus furtif possible. Alors, va-t-il bouger? Ah, d'accord, on est obligé. C'est pour nous indiquer comment passer d'une cachette rapidement à une autre. D'accord. C'est simple hein, là. Je ne sais pas si le jeu est long ou quoi que ce soit. Voilà, donc là j'avais pas le choix. Et là j'ai pas le choix non plus. Bah. Si j'avais le choix, mais je me suis fait repérer donc on les a tués. Alors regardons la carte. On n'a rien loupé en bas, ce que je vois. Mais il y a un objet en face. Voilà. Franchement, je trouve le style de graphique de jeu très très beau. Hein. Je trouve ce jeu vraiment très 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 beau. Un bon style d'encre chinoise, on dirait. Ça change un peu des Assassin's Creed basiques, là c'est du 2D, enfin. Je sais pas si on pourra appeler ça du vrai 2D en fait. Ok. Comment je fais pour ramasser déjà? D'accord, c'est bon, je me rappelle. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Légende. Ça, non, c'est juste un coffre à munitions, d'accord. Objectif principal, coffre à munitions. Fragment, d'accord.
Ah, c'est assez... Ouh, elle est grande quand même cette carte. Ça va loin, très loin. Je ne sais vraiment pas si on pourra le réussir du premier coup. Enfin, pendant cette vidéo. Sûrement un oiseau, ouais. Et si tu avançais? Voilà. Désolé, je comprenais pas pourquoi il bougeait pas. Ça a pris un petit peu de temps. C'est bon, je me suis refait les mécaniques. Y a quelque chose à faire là. Flûte, c'est mauvais ça. Ah, il m'a vu, d'accord. C'était mauvais, c'est pas grave. Alors j'ai une idée. Plus 4. Oh, on a découvert les corps, mais c'est pas grave. Hein. Allez, reviens, mon petit. Remets-toi sous la caisse. 3, 2, 1. Tiens, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oh! J'avais pas vu ça. Il fallait regarder sur la carte. D'accord, il faut que je passe par en haut. Les combattants, bon, c'est pas grave. Let's test your reflexes. Still sharp, I see. Try again. Good work. Close for the kill. Et voilà. Excellent, Chao. Your training is almost done. Mais la personne qui est derrière à nous entraîner, ce serait pas idiot? J'ai l'impression que si, hein. Et voilà. Premier rouleau. Alors, rien d'autre là, d'accord. On va avancer, hein.
Je crois que c'était le premier rouleau, je suis pas sûr. Oh! Nice ce passage. Comment on change? J'espère que vous m'entendez bien quand même. Il devrait pas avoir de problème, que vous entendez pas trop ma manette. Il faut pas que je tombe. Ça risque d'être un display assez court aussi, hein, qui ne devrait pas dépasser la dizaine de vidéos. Si je fais un niveau par vidéo, c'est sûr que ça va pas dépasser les 10, hein. Parce que c'est ce que je compte faire. Ce sera sûrement une vidéo par niveau. Peu importe la durée. Enfin, sauf si ça prend 2 heures. Là, ce serait un peu embêtant. Il se déplace vraiment de manière fluide, hein. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, on peut continuer. C'est vrai, on peut glisser comme ça. Ok, plus qu'à attendre qu'ils reviennent. Ah, on voit des trucs derrière. Regardez derrière. Ah, flûte, j'ai fait n'importe quoi. J'étais pas assez concentré dessus. Et viens dans le foin avec moi. Né, pète, pète, pète. D'accord. C'est encore le tutoriel ce niveau. Alors, qu'est-ce que nous avons là? D'accord, je passe comme ça moi. Parce que je ne suis pas un idiot. Hop là. Ah là, ça commence à devenir un peu plus dur. En fait, c'est pas si grand que ça ce niveau, je trouve, hein. Oh, petit lag. This is where we used to keep the assassin's code. I should try to retrieve as many as I can while I have the chance. On va essayer un peu tous les chemins. Si je passe par là, je monte encore. Est-ce que je peux descendre par là? Ah oui. Ok. Je peux pas sauter par là, de tout dire. Je peux
passer comme ça. D'accord, je comprends. On va passer par là. On va déjà retourner pour prendre le celui-là d'avant. Ah, je suis là. C'est bizarre comme aperçu là. Hey, oh merde, ils veulent voir. Ah non, c'est bon. Je pense juste que je vais faire l'attente en assassinat. Ok. C'est vrai ce bordel. C'était pas prévu ça. Je sais pas ce que je voulais faire. Désolé. Ok, bah donc on est obligé de faire du bruit pour ça. Donc on a fait deux rouleaux. Tout en arrière, il n'y a rien. Zoom arrière. Ah d'accord, risque ça. Je comprends. Il y a l'air d'en avoir un là-haut. Pour aller là-haut, il faut que je passe comme ça, d'accord. D'accord. Peut-être une idée. On marche pas ici. On marche pas. Et voilà. Donc ici on remonte vu qu'on peut pas passer en bas. Par contre, on peut passer ici. Assassin d'or. Oh, ça va être chiant ça. Ça va être chiant. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Désolé, j'ai fait n'importe quoi. Et quand je peux passer alors? Pas contourner la cage. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Si j'essaye de le tuer, ça marche ou pas? Ok, bah je suis mort. Ah, je l'ai esquivé trop tôt. Je ne vois vraiment pas comment passer. Je ne vois pas. Attendez, comment ça? Oh non, faut pas que j'aille le rechercher, oh lolo. C'est chiant ça.
Allez. Oh mais non, oh là 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 là. J'ai de la chance mais pas tant que ça. Oh, allez, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour y retourner. Ah, c'est chiant. Ça va, ça, moi, je vais pas le reprendre. Compte là. Oh là là, je ne comprends vraiment pas comment je pourrais le l'abattre. Enfin, comment je pourrais passer en fait. Deuxième rouleau. Deuxième rouleau, deuxième rouleau. Et je peux pas sauvegarder là. Ah mais attendez. Il y a un moyen plus simple pour passer. Pourquoi est-ce que je m'embête moi? Voilà. Et voilà, comme ça on a tous les parchemins. Non bah maintenant il faut que j'aille fuir quand même les grottes. Pour fuir les grottes, bien sûr, c'est là-bas. Oh là 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 là. Ça fera une vidéo un peu plus longue que d'habitude, un peu plus de 20 minutes. Si on arrive à passer, bien entendu. Si vous avez un moyen rapide, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. J'ai quand même essayé de le tuer. Attendez, j'essaie. Ah, si, c'est chaud à faire. D'accord. Ah mais non. Ça m'énerve. Je ne vois vraiment pas. Oh non. Oh là 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 là. Comment je peux faire là? Ça va être chiant. Parce qu'à chaque fois je reprends ici mais moi j'ai plus qu'un seul parchemin. On va essayer de passer par là-bas. Je vais essayer de cleaner tous ces personnes-là. Je reviens vite fait, je fais une petite ellipse. Ellipse. Et me revoici, donc j'ai trouvé le moyen de passer ça. Je le faisais en courant, alors qu'il suffit de marcher. Je suis fort. Hein.
Ah, comment je suis fort quand même. Bonjour petit oiseau. Au revoir petit oiseau. On laisse passer personne. Désolé, mais quelqu'un qui est passé, hein. Je dis ça, je dis rien. Par contre, les checkpoints dans le jeu, là, ils sont vraiment très mauvais, je trouve. Alors. Bon, on nous donne des couteaux, c'est qu'on doit utiliser un couteau. Alors ensuite, alors on est là. Il y a quelques, il y a un coffre tout là-haut. Fragment d'animus ici. Passe tranquille. Alors. Ça c'est fait. C'était chaud, hein? J'ai une idée pour passer ça. On attend qu'il arrive ici. Allez, viens, on va s'amuser, toi. Alors, dans le coffre. On s'enfuit. On s'enfuit. Is it done? Gao Feng is dead, Sifu. As is Ma Yongcheng. The butcher. Good. Our plan worked. Who's next? Patience, sister. We must move carefully. Zhang Yong and his tigers control the empire now. He's down two tigers after tonight. Gao Feng did not have the box. I did not retrieve it in time. Worry not, young one. We knew that was a risk. To allow yourself to be captured without the box would have meant certain death. We will get it back. Maybe the Templars will even lead us to the missing piece. Perhaps. But now I'm afraid we have just given our enemies a dangerous weapon. Take some rest, little sister. Together, we will free our land from the Templars and their pawns, Zhang Yong and his tigers. We will rebuild our brotherhood. Okay.
D'accord. Macau. By day, a bustling port. By night, a hub for the Templars to trade those who oppose them into slavery. I have located the box, Xiaozhu. It's in the possession of Yu Deyong, another of Zhang Yong's tigers, the one they call the Slaver. So he is responsible for this cruelty. I shall pay him a visit. Tread lightly, sister. The Templars are searching all ships and cargo. They are looking for us now. I know you can kill these lesser men with ease, but I would suggest you remain invisible, a ghost, until you find your target. D'accord. Ok, eh bien nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était Tostead pour acheter un Timon HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.